お前はもう死んでいる。Bonjour à tous et à toutes, les amis, et bienvenue sur ma chaîne YouTube Manière Geek. Car avec Eric, on voyage vers d'autres univers. Et bien, cette fois-ci, nous sommes sur du Dragon Ball Z Dokkan Battle. Car, vous pouvez voir sur les fonds, sur la miniature de la chaîne, avec le titre, plus sur les fonds de déco. Voilà. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, ça y est, ils sont là. Les ZTUR tant attendus, parce que ces unités-là datent énormément. Donc de Broly Endurance et de Vegeta SCJ qui peut se transformer en SCJ Blue AJ. Donc voilà. Le Broly, normalement on peut voir les stats. Voilà. Donc une team héros de film est préparée forcément. Voilà, ça va être ses nouvelles stats avec son ZTUR. Voilà. Le Broly qu'on a 90%. Et pour qu'il s'agit de Vegeta, Gogeta, autant pour moi. Au niveau de Gogeta, malheureusement, on n'a pas d'unité. Malheureusement. Mais faire ses ZTUR, ça permet toujours d'avoir pas déjà les médailles d'avance. Plus également, comment dirais-je, voilà, des pierres dragons pour se faire une petite multi. Après, à voir sur quel portail on ira, mais ça peut nous faire. Donc là, on va partir sur du portail de du portail sur l'event de Broly Endurance, bien évidemment. Et pour relire, parce que pour le moment, c'est le plus facile, c'est du Broly Endurance. Pour ça, si au moins on peut galérer et faire galérer sur Gogeta, quoi. Et pouvoir peut-être, voire même retester Broly Endurance sur, dans la team Boss de Film, justement. Voilà. Donc, pour cette vidéo, pour pas qu'elle soit trop longue, vous verrez du niveau 1 à 5. Le level 10, le level 15, le level 20, le level 25 et le level 30. Voilà. Et... j'allais dire, mince, ma team boss de film, ouais, bah oui. Voilà. En ami leader, on va prendre... Gamma 1. Après, c'est vrai que je pourrais en parallèle... on verra si on galère ou pas. Mais si on galère pas, on part avec ça. Si on galère, en parallèle, on ira. Il manque juste 7 médailles. Donc on va faire juste le level une fois. Et on ira Dokkan Gamma 1. Et Gamma 2, du moins, parce que j'ai pas le 1. Voilà. Alors, on va partir. Voilà, du coup, je suis parti avec cette team là. Un peu des, du coup, des base Broly quasiment. Presque, hein, parce que voilà. Cette unité-là, Bardock et Kiné, c'est dans DBS Broly. Donc, on est quasiment sur une team DBS Broly. Le Vegeta de DBS Broly, Gogeta. Voilà, on est sur une bonne team. Voilà, les animations de fou. Voilà. C'est vrai, il ne faut pas que je me fie à mon deuxième écran. Voilà, parce que mon deuxième écran est pixelisé un peu... Donc normalement c'est bien voir. Ouais, normalement je sais pas, faudrait que je regarde les stats du Gogeta, mais il me semble qu'il stack. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas Dokkan Battle, voilà, c'est un jeu. Je vais pas dire de stratégie, techniquement oui, parce que si tu veux vraiment jouer avec les stats des persos, c'est stratégique, c'est à toi de réfléchir comment. Les unités stack, comment ils génèrent leur défense, etc. au niveau des attaques. Mais ça, faut pas trop se casser la tête, quoi. Faut juste regarder, faut juste voir. Et en général, ça va. Après, ça, c'est un niveau en Battle Z. Donc, les niveaux sont, ouais, un peu plus level up. Donc, les niveaux sont un peu plus level up, certes.
Mais ça va, c'est pas comme si c'était de la red zone. Ben, quand est-ce que Broly il va attaquer tous les persos? Quand ça va être le sa phase carnage. Alors attends. Si je mets. Ouais non. Là. Je fais cette rotation là. Ah peut-être que ça va partir en ultime, je sais pas. Non, ça par contre, on va garder ça. Ça ici. Voilà, comme ça par en spé. Endurance contre endurance. Normalement, ça va pas faire trop d'effet. Après, peut-être que je pourrais le changer. Après, il est que endurance, donc je pourrais peut-être même partir avec de l'agilité. Mais absolument pas du int. Bon, après, je peux rester sur TMT Base Broly. Et pour le coup, partir. Enlever mon Bardoguiné, mais Bardoguiné et Hérodfilm, il est pluie. Justement, il faut du Hérodfilm et du pluie pour battre. Comment il s'appelle Monsieur Broly, bien évidemment. Voilà. Donc là, les niveaux, franchement, ils sont bien. C'est pour ça qu'on se fait seulement le niveau 1 à 5. Et après, sinon, ça va être long les autres levels. Donc, vous verrez qu'en vidéo que les 5 premiers niveaux. Ensuite le 10, le 15, le 20 et le 25 et le dernier niveau donc 30. Mais après c'est vrai que ça aurait été plus fun. Enfin, on verra, peut-être que je la ferai en vidéo bonus peut-être. Je sortirai peut-être de la version courte et du coup la version longue. Oh c'est une bonne idée en vrai. Je sais pas ce que vous en dites mais... Après, c'est vrai que je suis pas en live, donc je peux pas trop poser la question, mais n'hésitez pas à proposer en commentaire si vous voulez la version longue, donc entière. Oh, l'animation de Gamma 1. La version longue dans la version entière des Battle Z ou la version... Dans les deux cas, je ferai une partie bah, 2 du coup. Quand je dis une partie 2, oula, je suis à l'ouest, mais une version longue du coup. Parce qu'en vrai, c'est une bonne idée en fait. Là, je suis sur la version courte, comme ça, si les gens ils veulent juste voir le coup. Et après, la version longue. Parce que je pense c'est plus dans la version longue qu'on peut voir peut-être galérer avec les teams si je dois changer de team ou autre. Parce qu'on soit. Après, sauf si ma team, franchement, elle est bonne. Hein. Si ma team elle est bonne, je devrais pas avoir de difficultés. Mais s'il n'y a qu'une unité. Qui est un peu bancal, ça peut changer. Mais l'unité bancale pour moi, c'est forcément Gogeta M. Après, faut voir la durée de la vidéo, hein. C'est parce que en vrai, si j'y vais, franchement, si j'y vais très vite, franchement, si j'y vais vite, je peux peut-être finir facilement les 30 levels. Les 30 levels, je peux liquider. Ah, le level de Battle Z, tu peux le liquider, mais très rapidement, si t'as une bonne team. Oh, je prends une team comme ça. Non, franchement, tu peux partir vraiment sur au level 30 très rapidement si t'as une team super efficace. Le level, franchement, le plus simple dans... Quand je dis le plus simple, dur. Mais simple avec une team la plus rapide bah, je dirais que c'est un ZDLR en fait. C'est un ZDLR c'est le ZDLR de ah je sais plus quelle unité faudrait que je regarde mais je sais qu'il y a un ZDLR qui était ah bah non c'est ah, bah, c'est un des premiers ZDLR c'est le Goku Freezer ZDLR hein. J'aurais pu avoir une team qui galère, mais en vrai, c'était la... C'était une team qui marche, hein.
Donc non, franchement, c'est plutôt une bonne team. Tranquillement, voilà. Là, on part avec du full puits. Non, pas du full, mais maximum de puits parce qu'il est endurance. Donc du puits, c'est efficace. On est à quel level? Voilà l'animation de Goku et Vegeta. Voilà, je n'ai pas mis le son du jeu, voilà, comme ça on évite de se faire ban de YouTube. Du moins l'ami passe. Ah, je sais plus si je l'ai coupé ou si je l'ai mis. Mais le son, c'est pas grave si on l'a pas mis. Parce qu'en soit. Alors. Ah! Normalement, si je pars ici. Ah, si, il y a des boules de Kint. Il est pas quand même mon ultime, hein. Mon duo SJ Divin. Duo SJ Divin LR. Que nous avons ici. Là, on verra pas forcément. Ouais, là, focus. Voilà. Qu'on en figurine. Hein. Big up aussi à la guidée, hein, c'est là-bas que je l'avais acheté. Voilà. C'est vraiment l'LR dès 7 ans. Je vais vous montrer la carte juste après. Après le tour là, je vais vous montrer la carte. C'est exactement celle-là. Voilà. Oh, bah, KO. Ah, voilà, c'est très rapide. Je vais vous ressortir la boîte. Bon, en fait, ma boîte, j'ai même des boîtes. Voilà. Parce que c'est voilà, c'est l'LR dès 7 ans. Voilà. La carte Dokkan Battle. Voilà. Voir l'image ici. Dragon Ball Z Dokkan Battle. Voilà. Et on peut voir. Voilà, ici la carte. Et du coup, j'ai le Goku Vegeta, bien évidemment. Goku et Vegeta, plutôt Vegeta et Goku, parce que la base. C'est Vegeta que. Oups. Ce bruit là. C'est pas prévu. C'est une canette qui est tombée. Alors. Là, parce que là, franchement, cette vidéo, on l'a fait un peu chill, voilà, c'est... Oh, on a déjà fait les 5 premiers levels, donc là, on passe au level 6. Ouais, et il me manque entre deux, une ou les deux figurines des 6 ans. Mais si les figurines des 6 ans d'Okan que je voudrais acheter, bien évidemment, c'est le Vegeta. Bon, ça, je pourrais partir sur le Goku, parce qu'un Vegeta Blue Evolution, en soit, j'en ai déjà en figurine, et pas de Dokkan. Mais c'est vrai qu'il est meilleur la figurine parce que c'est Vegeta torse nu et Vegeta c'est mon perso préf. Donc on reste dans le DBZ là. Voilà. Ce magnifique Vegeta Blue Evolution. Voilà. Le prix d'une figurine, hein, bien évidemment. 45 euros. Voilà. Allez. Ça par contre, ça en part ici avec Gamma 1. Là, on va partir là. Oh! Par du puits. Parce que c'est bien si on part avec. Si on part avec les ki, des fois, plus on a de ki, ça peut nous garantir d'une spé sup. Ça peut également provoquer aussi beaucoup de stacks, récupération de PV. Ah bah voilà, quasiment en un tour, après on est qu'au level 10. Hein. On est déjà au level 10, non? Ah franchement, ouais. De toute façon, la vidéo d'Okan, on va la garder jusqu'à 40 minutes. Hein. Pas bien évident, oh bah level 10, ouais. Mais là, on passe déjà au level 15, c'est bien. Pour le moment, on se plaint pas. Pour le moment, le Broly, il gère bien, ça va. Voilà, Broly Carnage, voilà. Bon, en général, c'est pas. En général, quand les teams, elles fonctionnent bien. Tu t'en rends pas compte 15 premiers level.
tu te rends compte vraiment que les teams elles passent bien à partir du level 21. Et officiellement 25, parce que 25 ils ont un peu plus de def. Les persos ils ont attaque, plus d'attaque, plus de def. Voilà, annule la réduction d'attaque, empêche les retourdissements, empêche l'interruption. Interruption, c'est-à-dire. Elle a fait ça. Attends, on va juste tenter un truc comme ça. Oh! Ouais. Ça change pas la rota que je voulais faire. Mais le bardo de Guinée, je pense pas que les gens l'utilisent beaucoup, mais c'est une très bonne unité. Ah, franchement, je trouve qu'elle est potable. Hein. Après, on n'est pas encore au level 21, etc. Mais je trouve que pour le c'est une unité qui mérite pas. Hein. Pour le moment, elle mérite pas d'avoir un CTR. Soit c'est un jury de mettre un CTR. Je comprendrais pas pourquoi. Mais bon. Parce que c'est vrai qu'il y a des unités, franchement. Il y a des unités qui méritent un ZTER et d'autres non. C'est vrai, je viens de capter que Guillemin, c'est pourquoi mon fond double. Mais oui, j'avais oublié que le fond que vous voyez là, à l'écran là, eh ben, c'est celui qui est actuellement sur mon. Là où vous me voyez en caméra, c'est mon fond actuel. Ça y est, on est au level 20. Voilà. On va vraiment savoir si on réussit le level. C'est vraiment là qu'on va savoir si la team passe. Ah, non, plus au level 21. Parce que le level 20, encore, ça peut passer un peu galère. Et on va savoir si ça tient le coup. Si le Gogeta Endurance, Gogeta oui. Parce que oui je dis Gogeta. Mais à la base, c'est oui c'est le duo Goku. C'est parce qu'en fait il fusionne en Gogeta, c'est pour ça, mais c'est duo duo Goku Vegeta LR. Allez, c'est parti. Par contre, c'est juste génial. Parce que normalement, Broly... Ah ben non, au contraire. Je dis c'est juste génial, mais non, au contraire. Non, c'est pas génial. Ce que j'allais dire. Parce que j'allais dire. Ouais, c'est bien parce que. Il est plus long. Broly, ça a de la difficulté. Gogeta, on va pouvoir le transformer en CG Blue. Mais non. Au contraire, justement, si on arrive à pas aller à sa transfo, c'est-à-dire qu'on a réussi facilement le level. Et qu'au final, on était plus ou moins rapide. Parce que le Gogeta LR, il met quand même 5 tours, je crois, ou 4. Donc... Donc bon... Voilà, on l'a eu facilement.
Endurance. Allez, c'est parti. On est au level 25 de la Battle Z de Broly. Alors, normalement, au montage, je vais passer ça. Parce que c'est. Ouais, là, on est à 1h08 de vidéo au moment où je parle. Vidéo totale, hein. Franchement, j'ai pas fait de pause. Je voulais potentiellement mettre la version longue sur la chaîne, mais là, 1h0 local. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait Broly. En fait, Broly Carnage, c'est pas lui. Non, si Broly Carnage, j'y suis d'avant. Mais c'est oui, Broly vraiment des terres, c'est celui-là. C'est lui que j'appelle Broly Carnage. Est-ce que lui, il peut toujours attaquer en. Il peut attaquer en sup ou pas? Comme sur les levels de base. Alors, attends. S'il te plaît, gamma, pas en SP, non, il perd pas en SP. Tac. Non, on va le mettre là, comme ça, voilà. Lui, il va partir en SP ici. Ça, ça part en ultime. Et gamma, il perd pas en SP. Sauf s'il fait une SP sup. Alors, encore des retards à la Wallagain. Ah, mais vraiment des retards à Wallagain. Non, franchement, j'ai envie vraiment de savoir si. Si, tiens. Je veux trop savoir si vous. Si le. Si le. Gogeta, il tient. Je vais faire ça. Hop. De toute façon, je sais, voilà, je savais que j'ai parti comme je pense, Vegeta. Il tient quand même. C'est de l'endurance. On va voir les dégâts qu'il fait maintenant. Il fait le 20-25, on va voir les dégâts qu'il fait. Quand même. En plus, il tape des esquives. Non, franchement, il est. C'est un ZDR de ouf, hein. Oh, franchement, j'ai vraiment cru qu'il avait fait un SPC. Une spé sup. On a eu le level 25. Voilà. C'est parti maintenant, on a trouvé le level 26 et je vais mettre en vidéo le level 30. Attends. Bah oui, c'est vrai. Et ça y est, on est sur le level 30 de la Battle Z. Oh la vache. Bon, comme je me suis absenté pendant une demi-heure, le temps du tournage, ouais, et que j'ai pas mis en pause,
peu d'exorcisme en réalité, ouais, il y a eu 1h30 de montage. Et on fait le level 30. Let's go. Et ensuite, avant d'aller sur le level de Gogeta, et ben on va faire le montage de cette vidéo. Voilà. Pour pouvoir vous la poster. Et après, pendant ce temps-là, pendant que la vidéo est en cours de traitement, pouvoir jouer tranquille sur le level de Gogeta. Ça va être bien. Et là, on va vraiment galérer. Parce que le level de Gogeta, excuse-moi, mais... c'est très... attends, si je fais ça... ouais, bon, en fait, je suis obligé de faire automatiquement ça. Si je tire que tout le monde part en spé. Ils vont pas partir en ultime, malheureusement. Ils vont pas partir en ultime. Canon spirituel final. Non, mais elle est trop magnifique, ce... ce Bardock, c'est quand même le meilleur Bardock du jeu. Hein. Excuse-moi, mais... c'est le meilleur Bardock du jeu. Alors, cette petite rota, ouais, parce que faut qu'on fasse jouer gamma 1. Faut qu'on fasse jouer gamma 1, donc en fait on va faire ça. Et on va prendre ça, et normalement... ah ouais, gamma 1, il va pas pouvoir jouer. Il va pas pouvoir jouer le gamma 1. Franchement, ouais. Voilà, mes gamins, il n'a même pas fait l'attaque sup. Non, mais c'est honteux. C'est honteux. Alors. En vrai, vas-y, tu fais ça, là. Est-ce que je peux porter ce... bah voilà, en fait, je peux passer en ultime ici. Qu'est-ce que je raconte? J'allais faire plein de trucs... privilégié, non, c'est bon. Normalement, sur ce tour-là, je peux le finir. Je peux finir Broly sur ce tour-là. Ouais. C'est perturbant, c'est parce que comme moi, je vois mon écran, là, le deuxième écran, du coup, c'est pas facile de regarder bien droit. Puis je regarde le deuxième écran, il est juste en face de moi. Après, c'est vrai qu'en regardant le deuxième écran, ça permet de mieux regarder ma... ma caméra, c'est pas mal. Oui, du coup, je suis en ultime. Et normalement, il peut faire du supplémentaire. Yes, il fait du sub, c'est bon, j'ai gagné. Wow. Malgré quand même 1h30 quasiment passée de vidéo au total d'enregistrement. Alors que... c'est insensé. Non, mais même moi, je suis... mais moi, je suis choqué parce que le level, je l'ai fini super rapidement. Donc, c'est incohérent que je galère. Bon, maintenant, on va aller justement faire le ZTUR du Broly. Voilà, on va ZTUR.
pour clôturer cette vidéo, pas de ZTER, comme on n'a pas le Gogeta, on ne fera pas sur Gogeta, mais on va faire ce Broly. Broly, oui, si je suis dans l'entraînement et pas éveil, ça va pas le faire. Broly. Voilà, qui, je le rappelle, mon Broly, 90%, voilà. Voilà, malheureusement pas 100%, mais... Et voilà. Voilà, voilà. Cinq petits Broly. Ça, ouais, ça, on va le faire ici, clac. Et voilà. Faut qu'on le mette SP40. SP40, moi. Le fait 140, je veux dire. Voilà. Oh, bah, vas-y, on va utiliser ça. Et voilà ce magnifique Broly qui est SP15. Et il est où? Il est là. Donc on peut voir maintenant ses stats de ZTUR. 170%. Ah bah voilà. Voilà. Et incroyable. Et en plus j'avais mis le filtre. Donc c'est parfait. Et bah pour le coup, on en a fini avec le ZTUR de Broly. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. ZTUR de Gogeta. Où là on va, je pense, en bavé, car c'est une boss de film. Avoir des persos boss de film, même boss, c'est super chaud. Surtout là, on est sur la catégorie où le plus avantageux c'est le tech. C'est très chaud, mais vas-y, pourquoi pas. Sur ce, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et Xamena, on se retrouve sur la prochaine vidéo. Battle Z de Gogeta.